On va retrouver Judith du coup et Hé hey, V, viens là une minute. On va voir ce qui se passe. Heureusement que t'es là. Elle est mignonne. On entre. Attends. Tu m'as jamais dit pourquoi tu la cherchais. Comment je peux être sûr que tu lui réserves pas un sort pire que ce qui se passe là-dedans? Je veux juste savoir qui l'a engagé. Qui que ce soit, j'ai besoin de son aide et vite. Autrement, je suis foutu. Je vois. C'est pas étonnant de la part d'un merc. Super. Bon, on peut y aller maintenant? Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. Ok. Ok, j'entre. D'accord. Là, ben, on a ça. Là. Ben voilà. Ah oui, d'accord. Du coup, ça, protocole désactivé. Ok, ça c'est fait. Faut que je voie comment je peux faire pour entrer. On va pas entrer par la porte d'entrée quand même, si. Mon dieu, attendez, je vais me faire griller. Moi. Ah oui, il y a des nénés partout ici. Ah mais bon. Mais du coup... J'aurais pu l'aveugler lui, merde. Pourquoi je suis monté? J'ai lui, je vais l'assassiner. Ok, il est seul. C'est quoi ce Nicolas? Hop. 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 C'est quoi ça? Utiliser. Porte ouverte, système de surveillance en ligne. Prise de gants, non. Hors ligne, voilà. Là on a mis hors ligne les trucs de sécurité. Ça me plaît bien tout ça. Donc lui je peux... Elle plutôt je vais aller me la... Je vais aller me la faire. Ok, on peut passer par là, mais il y a quelqu'un là, non? Bon, on va par... Ah d'accord, il y a quelqu'un là-bas, je l'ai vu, ce petit sacripant. Je te le dis, mon gars, les carottes sont cuites. En plus, il est de dos. Elle est de dos. Non, il est de dos. J'ai reconnu sa calvitie. J'arrive dans une seconde. Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs. Pourquoi elle me demande de ressortir? Trouver un moyen de rejoindre les niveaux inférieurs. Oui, mais... Parle quelle langue cette dame? Oula. Ah d'accord. Donc je suis obligé de passer par là. Ah mais ils savent que je suis... D'accord. Oui, ils ont su ça, eux.
trottoir. Ah merde, putain. D'accord, ok. Ils ont trouvé la dépouille. Je vais finir par te trouver. Et je veux pas... Je vais la court-circuiter, celle-là, je vais l'éclater. D'accord. Ah oui? Bon. Viens me montrer ce que j'attends. J'ai entendu des coups de feu. Ça va? Ouais. J'ai pas le temps de faire du frère. Ah oui. Oula, ah oui. Putain, j'ai rien comme munitions. Niveau intérieur, mais moi je monte en fait. Pas jeter les grenades. Non, c'est juste un jeu de cartes, on va éviter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Butez-le! Putain, la visée de merde. Bordel de merde! J'ai envie de la course. Butez-le! Ah yes! Il reste rien. Ok. On cherche comment descendre. Là-bas. Je vais trouver un moyen de descendre. Tu vois ma position? Ouais, je te rejoins dans pas long. Attends-moi. Hé, hey, attends. J'arrive. Je suis là. Faut qu'on descende au niveau moins 2. Je parie que c'est là qu'ils la retiennent. T'entends ça? Du RTL et il y aura le poids. Du RTL? De l'érythritol. Une friandise pour les adultes. Autre RTL, ça va pas le faire. Oui, elle parlait avec lui, d'un coup il a arrêté. Ah ben voilà, allez hop. J'ai envie de la court-circuiter parce que ça augmente mes... Hop. Voilà, ça augmente ma... Ma maîtrise en circuit, tout ce qui va avec. Hop. Voilà. C'est fini. On a réussi. Je vais te massacrer. J'arrive. On en a une autre là. Oh lolo, toutes les balles à côté. Pas toi la loyale. Ils nous ont entendu. Je pense qu'on est déjà grillé donc...
comment. Oh là 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 là. Bah oui, mais bon, c'est quoi? C'est la caméra juste. Tu sais, ça me saoule parce que tout à l'heure là, juste avant de mourir. Ça m'a donné le. Merde, un point d'expérience. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ok, on avait un autre truc là, non? Bah oui. Bon, tant pis. Oh, bon, bon, bon. Oh là 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 là. C'est Judith, putain, j'allais l'éclater. On est sur le coup. Ah, c'est bon, ça a augmenté, je suis content. C'est bon, continue. Ok, 17 de réputation. Oh, ça va, ça monte quand même. L'air de R. Ok, un petit bonnet, c'est pas plus. Ça mange pas de pain. Là, hop. Menottes, classique, ça marche toujours. Ok, t'as intérêt à t'annoncer quand t'arrives, mon gars. Sauf qu'elles sont en acier, pas en plastique comme les versions soft. Même si tu viens ici de ton plein gré pour devenir une star, t'as aucune garantie de ressortir un jour. Ok. Bon, on continue du coup avec Judith. Qu'on a là. Ça doit être une salle de maintenance. Je vais essayer de foutre le bordel. Mort de rire, je suis arrivé comme ça. Bon. Ah, c'est la salle qu'on avait vue à l'épisode précédent là. Qu'on a analysé, pardon. Ça, je le vois. Hop. Tous ces implants. Et tant qu'ils y étaient, ils ont aussi prélevé quelques organes internes. Ils ont de la suite dans les idées. Les désosseurs. On a beau les écraser, ils continuent de grouiller comme des cafards. Je suppose que t'as fait leur connaissance. Malheureusement. Il leur arrache un bras, la pomme. Ok. Donc là, ok. Allez go. Ah merde. Je déteste cet endroit. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais personne sur le dos et qu'on jamais sur le boulot. Parce qu'on n'est pas obligé de rester dehors sous la. Il y avait pas un truc qui les rendait aveugles. Et merde, allez hop. Oh putain.
Tout. Dans le doute. Ok, du coup, eux, c'est les dégâts physiques. Ah, ça, ils descendent. Ok. Ok, on continue. On lâche. C'est touché! Alors attendez. Hop. Putain, si je peux trouver un dégât chimique, merde, chimique, physique. Ah, je suis refait, tout est bien ici. Hop. Mais ouais, mais bon, le problème c'est le même, j'ai plus de j'aurai plus de munitions. Merde. Chimique. Électrique. Chimique, merde. Lui il me met des thermiques et lui il me met du chimique. Et lui? Bon. Chimique, chimie, électrique. Bon. Ah, oh lolo. C'est un peu trop tard ça, non? Non, ça j'ai pas besoin, il me faut juste des munitions en fait. Si je peux en trouver, putain je suis content. Hop. Ok, ça c'est bon. Ils sont juste d'accord. Bon, allez, c'est pas grave, on continue. Quoi ça? Ok, hop, on va essayer de les fouiller manière de voir si je. Ah, bah d'accord. Bon. Où est-ce que t'es? Près du studio, je crois. T'as trouvé quelque chose d'utile? J'ai débloqué l'ascenseur, ça devrait faciliter notre sortie. Toi, faut vraiment pas te faire chier. On te trouvera d'une façon ou d'une autre! Ah merde, putain. Ok. Devant, il faut la retrouver. Tiens bon, ouais. Eh ben oui, mais bon. C'est Lynn, la touche pas. Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Ok, des faux nénés, y'a tout de. Ok. Attrape-le et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ok, on y va. Ok, c'est parti. 1, 2, 3.
Putain, merci. Eve. Evelyn, tu m'entends? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes, et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Lui, il est là, tranquille, il regarde juste. Pourquoi il est parti de l'autre côté? Allez, quoi? C'est si dur que ça? Allez, juste une. Pour moi. Mais putain, V... Fumer, c'est juste pour se la péter. En plus, ça pue. Ok, déballe tes conneries. Mais grisons une petite. Non. Oh putain, fallait que je tombe sur quelqu'un qui fume pas. Allez, on entre. Ouais, assez pour ôter. On n'est pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte. J'ai pas voulu fumer parce que, en fait, il y a l'emprise qu'il a sur notre cerveau. Si on fume, on lui donne plus de pouvoir. Donc faut pas céder à ses caprices. Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés, elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Tu lui en veux? Pourquoi? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autre... Je sais. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les vertus que j'ai trouvées. Ok. Fais voir. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Oh là là. Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente mal. Oh, si c'est pas mignon. Trop mignonne la pauvre. Ah, on me la fait pas. Je les vois de loin maintenant, ces trucs là. Ah, il est là le robot? Ah non, c'est pas le même. Allez, go. Assieds-toi. Vas-y, envoie. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Alors, on est reparti pour une deuxième truc d'analyse là. Jette un coup d'œil si tu veux. Ok, hop. Arrêt sur image. Qu'est-ce qu'on a? Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi? Des VV. Ça te parle ces trucs? Pas assez pour savoir ce qu'il signifie. Mais je sais qui pourrait s'en servir. Qui ça? Peut-être les Voodoo Boys. Est-ce que l'intuition? Je m'assure à 100%. La bande de Netrunners flippants? Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver. J'aurais même pas par où commencer. On continue. Il faut la confier. La vertu. Non. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Soit naturel, détendu. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais
C'est pas une lettre runner du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. On continue. Bon, oh, je tombe. Ok, les papiers partent. C'est peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. Et maintenant ? Je crois que je suis bon pour aller faire un tour à Pacifica. Ok. Bon, bon je crois bon. Qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et oui, les vaudou boys. C'est apparemment un groupe vraiment bien raciste. On dirait qu'Evelyn nous avait pas dit toute la vérité. Non, tu crois ? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée. Oula. Oh, je lui en veux ! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une vertu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce, juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entré en scène, qu'elle t'a engagé. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Tu veux le voir ? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Et allez, on replonge. Elle parle dans quelle langue ? Je sais pas. En créole haïtien. C'est des voodoo boys. Attends. Je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. Essaie de scanner le téléphone. C'est bon, juste une petite seconde. Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. Ibi. Qui Sylvain a mené nous direct sous halt. Est-ce une plus bonne idée? Très bien. Si on finit de critiquer tout ça en Cadi, on peut vous prendre travail. C'est pas du créole? Très bien. Ouais, y'a pas que nos couilles. Ah, mais c'est bon, je peux sortir. J'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Ben c'est ça, c'est du créole. C'est quoi, où ? Franchement, j'en ai aucune idée. Tu peux me laisser une minute ? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt ? Comment tu veux que je le sache ? T'en as vraiment aucune idée ? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider ? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok ? Ah mais il a réussi à se trouver un petit truc à fumer. Ah merde, c'est ça que je voulais faire. Ok, hop. Et sur son bureau, y'a rien. Allez, hop. Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys ? Écoute, faut que je file. Je vais me renseigner. Passer des coups de fil. Alors, bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Bah écoute. Allez, hop, on s'arrête là, du coup, et on se dit à tout à l'heure. Allez, bye. Allô, V. La Terre appelle V. Merci, Judy. Non, V.
Merci à toi. T'es quelqu'un de bien. Evelyn ne savait pas jauger les gens, voire au-delà des apparences. Si elle t'avait connu un peu mieux, alors... Qui sait ? Les choses auraient peut-être tourné différemment.